Attention, vous êtes sur écoute. Et oui, vous êtes sur écoute, c'est l'émission quotidienne de Radio Campus Rennes sur le 88.4 de votre tuner, de votre chaînifi, tout ce que vous voulez, même votre poste de radio si vous nous écoutez dans sur la rocade en partance pour votre week-end, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes à Travelling, on va rester jusqu'à mardi, et donc, on investit le Liberté, l'étage, pour une émission spéciale. Merlin, comment ça va ? Ça va très bien. En effet, on investit le Liberté, qui est le cœur du festival Travelling pour cette 24e édition. Toute l'équipe de Radio Campus Rennes est mobilisée pour couvrir l'événement. Et on est en très bonne compagnie. On est en compagnie d'Éric Gouzanet. Salut Éric. Bonjour. Donc directeur actuel du festival et cofondateur. Directeur actuel, parce que demain peut-être pas. Ouais, mais directeur actuel pour le moment. Et nous avons aussi avec nous Hussam Indi. Bonjour Hussam, prenez un micro, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez fondé avec Eric le festival, c'est bien ça ? Il y a un quart de siècle. Il y a un quart de siècle. C'est impressionnant. Et donc, il n'a pas changé du tout, en fait. Et donc parlez-nous justement des origines du festival. Comment vous est venue l'idée de vous dire on va créer un festival de cinéma à Rennes ? Et voilà, c'était votre envie d'asseoir le cinéma à Rennes ? Asseoir peut-être, oui. La création, de lui créer une place. Elle est venue d'abord de rencontres à l'université de Rennes 2. Moi, j'étais un ancien étudiant. J'ai effectué mon service civil en tant qu'objecteur au service culturel de l'université. Et ce service animait, proposait différentes activités, et notamment le cinéma, avec un ciné-club et dont Hussam en était le responsable. Hussam ? Eh ben, c'était une envie de d'animer un peu le campus à l'époque, parce que en fait on était, lui il était en sociaux, moi j'étais en lettres, et on s'est rendu compte que après les études, après les cours, tout le monde rentrait chez lui, et il se passait pas grand sur le campus, contrairement à aujourd'hui où il se passe quand même beaucoup beaucoup plus de choses, et on avait envie de prolonger comme ça le plaisir et puis la réflexion intellectuelle, et on a monté un ciné-club, et ce ciné-club-là est devenu le festival Travelling. Et en montant ce ciné-club-là, est-ce que vous aviez l'idée, voire l'ambition de l'amener à ce qu'il est aujourd'hui, ou ça vous paraissait impensable à l'époque ? C'est-à-dire que l'expérience qu'on a eue à travers ce ciné-club nous a invité d'abord à aller sur d'autres festivals. Brest, le festival de films de court-métrage venait de se créer. On était aussi allé à Quimper. À l'époque, il y avait un très très beau festival dans les années 80. Et puis Dordogne qui existe toujours, bien sûr. Et je vous invite à y aller l'été, qui est un festival très sympa. Donc ces festivals auxquels on suivait... On s'est dit, c'est lui qui m'a dit un beau matin. On dormait dans le même chambre, pas dans le même lit. Et donc, Hussam me dit, écoute, Eric, moi j'y crois, un festival à Rennes, c'est possible. Je lui dis, oui, pourquoi pas, allons-y. Et on s'est mis autour d'une table avec trois amis. Hein. On était un groupe de cinq, et puis là, ça a commencé à phosphorer, à boire, à phosphorer, à boire. Et donc est sorti ce projet de Clair Obscur, le festival Travelling, 1990, la première édition. Il n'y a rien aussi en termes d'animation cinématographique, de diffusion cinématographique. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de rencontre cinématographique. Il y a les cinémas, il y a toujours bien entendu les Gaumont, l'Arvor, le TNB, le Colombier. Et notre projet rencontre leur soutien, leur aide, puisque dès la première édition, nous sommes présents dans tous les salles de Rennes, et notamment aussi à l'université de Rennes 2. Depuis donc 1990, Travelling a sa place à Rennes. Quelle est la particularité de Travelling comparée à tous les autres festivals ? On a parlé de Douarnenez, il y a Dinard, il y a Cannes, bref, il y a 75... Enfin, non, il y a plein de festivals de cinéma. On en cite 183, je crois, festivals. 183. La particularité de Travelling, c'est un thème qui n'existe nulle part ailleurs. La ville, découvrir une ville à travers le cinéma. Douarnenez, un peu après, sur la même thématique, mais c'est une région, une culture.
un pays, donc qui n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est original, on peut considérer ça comme une originalité, notre originalité. La particularité, autrement, la différence qu'on peut avoir aussi avec d'autres festivals, c'est qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business, il n'y a pas de compétition non plus, au sens qu'on peut retrouver à Dinard notamment. Donc voilà un peu la différence avec les autres festivals. C'est avant tout de montrer une cinématographie peu diffusée, d'accompagner ces films, bien sûr, de faire des rencontres, de créer des rencontres avec le public, qu'on parle cinéma. On parle cinéma avec un grand C. Et ensuite, autour du festival, il y a un certain nombre de rencontres, de stages, d'éducation à l'image, de projets. Un salon, là, cet après-midi, comme il en existe, de prestataires de l'audiovisuel sur la Bretagne qui sont venus présenter leur matériel. Une rencontre à la cantine numérique aussi. Donc, on foisonne 1000 propositions durant une semaine. Comment on choisit la ville ? Là, c'est Édimbourg, Glasgow. On fait tourner le c'est club. C'est juste pour et puis répondre on... à la question, c'est que depuis donc 24 ans, on a permis au public de se familiariser avec le cinéma iranien, avec le cinéma israélien, palestinien, avec le cinéma algérien, avec le cinéma finlandais, avec donc voilà. Le travelling, c'est ça, hein. C'est surtout ça. C'est effectivement inviter des cinématographies qui ont du mal à traverser les frontières et de permettre justement au public de se faire une idée de ces cinématographies rares. La deuxième question, c'était. Comment on choisit la ville ? Ah oui, chaque ville. Là, vous aviez envie de boire un petit whisky, c'est ça ? Non, c'est des parcours à travers donc les continents, puisqu'on a aujourd'hui on a étalé dans tous les continents sauf l'Océanie. Hein, nous sommes allés plusieurs fois en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc on a à peu près scruté tous les continents. Donc après le choix, il est, je dirais que si on va au Festival de Cannes chaque année notamment, on voit une cinématographie présente. Hein, c'est vrai que là, on peut penser qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une production. Il faut aussi qu'il y ait un patrimoine, que ce patrimoine soit autant que se peut sauvegardé. Les pistes, c'est d'abord des pistes, hein, on ne va pas dire l'année prochaine on va aller là. Non, on réfléchit, on se projette sur 3 ou 4 destinations. Et après, vous avez des opportunités comme les saisons heureuses, comme l'était la saison de la Turquie en France, et puis un peu moins heureuse avec le Mexique. Ça, c'est des partenariats importants, cela dit, dans la construction et l'élaboration d'une programmation comme avec le soutien de l'Institut français, parce que c'est faire venir des œuvres, faire venir des réalisateurs, et c'est vrai que c'est aussi un budget, un coût, et donc ces aides sont importantes dans le choix d'une ville, par exemple. En fait, on prend pas. Vous prenez pas le globe, vous le faites pas tourner, vous mettez pas un doigt. Non, ça se passe pas comme ça la programmation. Là, j'ai profité du festival Travelling pour faire venir peut-être ce qui sera la prochaine édition. J'ai eu des rencontres hier. J'ai encore une rencontre aujourd'hui avec une autre personne pour une autre ville pour 2015, 2000, voire 2016. Depuis le début, vous avez exaucé des rêves, notamment voir des réalisateurs que vous adorez. C'est la question piège. On a eu Samuel Fuller. Des mecs que j'aime pas. Oui, on a eu Samuel Fuller. Je crois que c'est notre première grande comme ça vedette sur le festival. Il est décédé juste après d'ailleurs. Et on a eu aussi les frères Koresmaki il y a quelques années quand même. C'est des figures, c'est des monstres comme ça sacrés du cinéma. On a eu Olivier Assayas, on a eu Bruno Gans aussi qui a fait un passage, vous savez, l'ange allemand.
Et puis, voilà. Puis des gens aussi peut-être plus inconnus et qui ont passé un très très bon séjour ici. Anneke était en compétition. Est venu aussi il y a quelques avec années. Bénice Vidéo. Et Anneke, on surveillera les Césars ce soir. On sait que ces acteurs sont nominés pour le César du meilleur acteur, de la meilleure actrice. Enfin, ils pourraient créer la surprise. Ça, c'est pour la petite parenthèse cinéphile. Sinon, moi, j'ai une question pour vous, Hussam. Vous avez quitté donc le festival il y a une dizaine d'années, le festival Travelling, pour rejoindre Dinard et son festival du film britannique. Comment vous voyez le festival Travelling aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait de l'ampleur qu'il a pris au fil des années depuis que vous l'avez quitté? Est-ce que vous le retrouvez avec... J'ai quitté Travelling parce que au bout de... on a fait 17 éditions et ça faisait 17 destinations presque différentes et ça faisait presque 17 festivals différents. Donc c'est quand même beaucoup. Il fallait recommencer en fait la programmation, il fallait réinventer le contenu quasiment d'année en année. Donc ça m'a un petit peu cassé le dos, il faut le dire. Et puis j'ai eu des enfants depuis, et puis donc il fallait. Je ne pouvais plus donner autant qu'avant à ce festival. Donc j'ai choisi plutôt la solution la plus facile, qui est de m'occuper d'une seule cinématographie qui est la même tous les ans. Donc c'est les mêmes contacts, c'est les mêmes. Quasiment film, voilà. Au bout de quelques années avec le cinéma britannique, on s'est fait un carnet d'adresses et puis des presque des amis. Et ces amis-là reviennent avec leurs films, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus, mercantilement, c'est beaucoup plus simple en fait comme organisation. Etc. Maintenant, le festival Travelling est un des événements les plus importants de Rennes. Il est effectivement assis. Il y a encore des années et puis des villes à visiter encore et encore. Et puis, avec tout ce qui se passe autour, c'est quand même à envier, quoi. C'est quand même une belle énergie. C'est quand même un bel investissement, c'est une belle équipe, c'est 150 bénévoles, c'est 30 000, 40 000 spectateurs, je ne sais plus, enfin c'est quand même, et puis c'est toute la métropole qui y participe. Donc voilà, c'est un événement et je crois que ça fait du bien pour la ville de Rennes. Et avant de vous libérer, j'ai juste une dernière question. Cette édition semble très bien partie. On sait que Mexico, il y a 2 ans, était une édition référence. Est-ce que Glasgow et Edimbourg va être une année référence cette année, Eric? Est-ce que ça va être une année référence cette année? Est-ce que vous allez péter les scores? Non, chaque édition a ses particularités. Chaque édition a ses bonnes sensations, a sa fréquentation, a ses difficultés aussi, hein. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas toujours évident, toujours facile. C'est vrai, comme disait Hussam, il s'est plus ou moins installé, lui, dans la continuité, la continuation à Dinard avec ses contacts. Et nous, on a cette particularité de reprendre le chemin, de refaire nos relations, nos contacts, même si ça reste toujours à peu près le même cadre. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais on est toujours... moi, pour l'instant, j'ai plus de beaucoup de satisfaction à travers toutes les éditions et que les éditions à venir seront encore meilleures. Et merci beaucoup à tous les deux, Eric Gouzanet et Hussam Mehdi.